plus. Une image trop nette tient les rêves à l'écart. Enregistrement et monument, l'histoire restreint les choses animées. L'oubli est un mécanisme maintient la vie. L'être que je nomme moi est un ensemble de souvenirs. En s'entrelaçant, les cérémonies se mettent en commun et le monde transforme. Le prospectus au dos du casier écrit une phrase précipitamment. C'est entrelacer le temps, le peindre et à la manière du commande. Je ne le trouve pas. L'aurais-je jeté par mes gardes? Les jours me pressent de me décider. Sur quoi se bascule? Sur ta loi, tel un juge. Ayant jeté les mots de Dieu, je vais vers mon propre langage. Une confiance et une introspection née de ma lecture silencieuse. La valeur disparaîtra sans aucun doute, et la valeur relative ne fera qu'inviter à la débauche. Un canevas de choix sans liberté et de canaux définis à l'avance. Un monde administratif dans lequel on peut vivre seulement par les émotions. Est-ce un principe de jurisprudence? Sortie du temps, une lumière blanche au fond des ténèbres. Le mouvement automatique du souvenir et de l'oubli, des rencontres et des séparations. Le passé est un organisme vivant à l'intérieur du cœur. Un autoritarisme qui entretient les dogmes. Des traces ensanglantées qui supportent les pouvoirs. Où sont les sources du droit? On peut entendre la voix de nos ancêtres. L'origine de la loi est la même que celle de la poésie, ce sont les morts qui décident. Le dictionnaire est réécrit chaque année. Le passé est manipulé comme un liquide. Par conséquent, je peux partager le monde. Pour la souffrance du passé, il faut un lien à la dernière gare. La culture que l'on jette dans l'eau est aussi une bonne chose. J'ai tout dit tout. Le reflet du soir à la surface de l'eau. Les archives, les richesses et moi, c'est des échanges. Des rapports d'images sont purs et séparés. Dans les oppositions et les compagnies disparaissent. Nous n'avons besoin ni de la résolution ni de l'hésitation. La mémoire d'avoir dormi sur le sol. C'est juste le souvenir d'un précédent. Le vent est fort. La voix des insectes se tue. Le pressentiment que la pluie va tomber. Béatrice n'est plus là. C'est pour ça que je vais chercher dans les bosquets devant nous. Je me demande si les moineaux viendront à ma rencontre. Le sentiment du sacrifice et un cœur solidaire. Un homme naïf qui ne connaît pas d'éthique et un vieillard qui, ayant la vue se toucher, se contente d'attendre. J'aurais voulu voir la rivière remonter. Bien que cela n'arrivera jamais. Point. Bien que ce soit la nuit, la grande tourne encore. La vue d'une usine fonctionnant sur le sol. Même si les hommes disparaissent,
Les innombrables machines tournent. Le soir à l'heure des lectures silencieuses. Nous avons été entourés, puis nous rejoignons nos ancêtres. Les livres nocturnes.